C'est un enfant pas bien dans sa vie qui tourne la tête quand on lui sourit. Un petit garçon à côté de son lit qui regarde passer les trains dans la nuit. C'est un enfant qui ne dit jamais rien, qui cherche quelque chose ou quelqu'un, à qui raconter tous les voyages qu'il a fait dans ce livre d'images. Juste devant chez lui, il y a un chemin de fer, alors il se colle tout contre la barrière et s'imagine passager solitaire d'un train qui ferait le tour de l'univers. C'est un enfant pas bien dans sa vie qui tourne la tête quand on lui sourit. Un petit garçon à côté de son lit qui regarde passer les trains dans la nuit. Chez lui, il n'y avait jamais de temps pour parler, pour consoler ses pleurs ou pour l'écouter. Il entendait son père entrer au matin. Chez lui, on savait que le bonheur était loin. Il cherchait dans le regard de ses parents. C'est le mois de mars, un mois dédié aux femmes. Alors débutons ensemble ce mois de mars avec des futurs cadres de notre pays, la République démocratique du Congo. Ils sont là devant moi. Applaudissez très fort. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Regard d'enfants, une émission socio-éducative et culturelle. Cette émission a pour but de traiter le problème des enfants dans la société, parler du droit des enfants, encadrement des enfants sur les plans social, spirituel et culturel. Aujourd'hui, nous sommes dans l'école Les Bambinos qui se trouve dans la commune de Matete. Et bien évidemment, je suis devant les élèves. Applaudissez encore, non ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes magnifiques, les femmes, les filles, le futur cadre de notre pays. Et quand même, merci, non ? Un mot merci. Ah. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la lecture. Vous savez, est-ce que vous aimez lire ? Oui. Vous aimez lire ? Oui. Qui aime lire ? Presque tout le monde. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Alors, nous allons les découvrir tout de suite. Je commence par qui? Oui, mon ami qui est là. Les micros. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Tsekachopia. Oui. Alors, pour toi, c'est quoi la lecture, selon toi? La lecture est un art de s'exprimer. Un art de s'exprimer. C'est quoi la lecture? Qui peut dire encore premier? Merci beaucoup. Oui, devant ici, le micro devant. La lecture est une leçon qui nous aide à exprimer.